L'atmosphère est décontractée entre la ministre Éléonore Yaï-Ladécan et l'amicale des femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes à quelques heures de la fin du mois de mars, dédiée à la femme. Ensemble, elles célèbrent en différé la Journée internationale des droits des femmes 2023 autour du thème de cette édition. Il faut noter que le développement planétaire tend désormais vers une forte digitalisation des services. Ainsi, pour permettre un accès équitable des sexes au numérique, le thème international de la GIF 2023 est intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». À l'aide du numérique, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique fait des efforts de digitalisation de ses services, à travers surtout la Direction générale de l'Office du baccalauréat, la Direction générale de l'enseignement supérieur, les universités, pour ne citer que celles-là. Le numérique s'impose donc comme un outil de facilitation dans l'accomplissement des tâches administratives. Afin d'aider les femmes du MES-RS à mieux intégrer le digital dans leur quotidien, deux sachants les ont entretenus sur les avantages et limites de l'utilisation des TIC. Il est vrai que la majorité des générations réunies ici n'est pas forcément très TIC. Mais nous pouvons rattraper les connaissances et très bien nous adapter à l'évolution technologique au fin d'une utilisation avantageuse de la technologie. C'est en cela que nous marquerons notre passage dans ce monde ici-bas. L'autorité ministérielle maintient un contact permanent avec ses collaboratrices à travers des séances d'échange sur leur participation à l'atteinte des objectifs. De chef service au poste stratégique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique regorge d'éminents cadres féminins. Quelques-unes ont reçu des attestations de félicitations lors de cette célébration. Il me reste simplement qu'à vous saluer, à saluer votre détermination, à saluer tout ce que vous apportez dans vos différentes structures et à reconnaître que nous avons encore du chemin à faire. Si nous sommes arrivés jusqu'au dernier jour du mois de mars, ce n'est pas parce que nous ne savons pas qu'il faut vite célébrer la Journée internationale de la femme, mais c'est parce que nous sommes tirés par nos occupations, par les contraintes, et nous sommes engagés à rendre des services de qualité à nos citoyens. Cela prend tout le temps, au risque même de nous faire oublier nos propres droits. La célébration de la GIF au MES-RS est également une occasion de faire le point sur les actions menées et les actes posés pour réduire les disparités du genre. Sous le leadership de son excellence le président Patrice Talon, et grâce à votre concours, votre adhésion, votre détermination, nous avons donc organisé la tournée générale dans les 4 universités publiques du Bénin pour appuyer les actions de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire qui constitue un obstacle à l'éducation de nos filles. Nous avons également entrepris les actions d'encouragement et de promotion de l'excellence pour motiver les apprenants et plus spécifiquement les À cette célébration de la 28e édition de la GIF au MES-RS, des collègues hommes ont apporté leur soutien à l'amicale des femmes. Le rideau est tombé sur l'événement dans la convivialité.